Ma grand-mère fait du vélo, c'est super rigolo. Mon grand-père fait du patin, il se prend plein de gadins. Ma petite sœur fait du hockey, c'est la reine du palais. Mais la meilleure de toutes, c'est ma tante de Beyrouth. Elle s'appelle Edith et c'est la reine de la... Bon. C'est quoi cette tête? T'as la quiche d'Amélie qui remonte? Non, ma sœur débarque aujourd'hui. Ah, ta sœur de Ménilmontant, celle qui a 8 enfants et qui vient de voir 3 fois par an. Non, pas Cassiopée. Elle a déménagé depuis. Elle est partie sur Angers. Non, moi je te parle de mon autre sœur. Et ça te fait pas plaisir? Ah si, ça déchire autant que ma dernière opération de la hanche. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a donc? Allez! Ah, oh, j'arrive pas! Bon! C'est quoi le problème avec ta sœur? Magnifique! Elle est juste magnifique! Ma sœur, Katia, elle a une cervelle de poisson rouge. C'est ça, poisson rouge d'appartement. Ah bon, elle habite pas à la campagne. Tu sais ce que c'était son dernier cadeau? Non. Un Rubik's Cube. Te plains pas, elle aurait pu t'inscrire à un club de tricot. Avec ses idées tordues, hein, ça pourrait arriver. Au moins, elle, c'est que les idées qu'elle a tordues. Bon, d'accord. Je reconnais que t'offrir un risque... Oh merde, t'offrir un risque... Ah, un repicum. Ha, ha. Oui, bon ben ça va, un cube quoi. C'est gratiné aujourd'hui, hein, vraiment? Pourquoi ta sœur? Pour me présenter son nouveau fiancé. Mais vu ses goûts de siècle,
On est sûrement plus proche de Mr. Bean que des ours clownets. Voilà le bon côté des choses. Au moins, si c'est Mr. Bean, lui, il est drôle. Ce qui n'est pas le cas de tous les moches qu'on connaît. Ah ouais. On est bientôt arrivé. Je vais devoir accueillir ma soeur. Bah toi, au fait, pourquoi t'es descendu? Ah bah, j'ai un rendez-vous chez le toubib. Bah au fait, et l'autre, qu'est-ce qu'il fout là au fait? C'est vrai toi, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai rendez-vous avec ta soeur. Avec ma soeur? Eh ouais.